وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah. Allah Ta'ala a choisi certains jours sur d'autres. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne demande pas ce qu'il fait, mais c'est lui qui nous questionne. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَار. Et votre Seigneur, il crée ce qu'il veut et il choisit. Il a choisi, comme il a choisi des lieux qui ont plus de valeur que d'autres, des heures qui ont plus de valeur que d'autres, de même, il a choisi dans la semaine un moment, un jour qui a plus de valeur que tous les autres jours, c'est le jour du vendredi. Le jour du vendredi, c'est le jour de la fête des musulmans. Le jour du vendredi, c'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire cette prière en commun et le fait d'écouter le prêche de l'imam. Le jour du vendredi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. C'est le jour où Adam a été créé, c'est le jour où il fut entré au paradis, c'est le jour où il en fut sorti, et le jour du jugement dernier ne se lèvera qu'un vendredi, comme il a été rapporté dans le hadith de Muslim. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Ô vous qui avez cru, quand l'appel de la prière du vendredi est fait, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez toute transaction. » Cela est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Donc l'obligation du vendredi, c'est une obligation pour tout enfant qui a atteint la puberté parmi les garçons. Dès qu'il est pubère, tout pubère, homme qui a sa raison en bonne santé pour venir et qui n'est pas occupé par le voyage. Si quelqu'un réunit ces conditions-là, alors il n'a aucune excuse de rater la prière du vendredi. Aucune. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette importance-là. C'est le jour de la réunion hebdomadaire des musulmans pour renforcer leur lien de fraternité, pour écouter au minimum une fois par semaine un rappel, un enseignement, une mise en garde, une motivation sur ce qui peut être utile dans la religion de la personne et qui peut l'aider à réussir et à être sauvé dans cette vie et dans l'au-delà. Non pas, comme on pourrait voir, certaines prêches du vendredi qui sont des journaux télévisés. Ce n'est pas le rôle du prêcheur du vendredi de faire le journal télévisé, de dire... d'annoncer ce qui s'est passé dans tel pays ou tel endroit ou de donner des statistiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tous les événements qui se passaient à son époque avec les Quraysh et dans les batailles, il ne se levait pas pour le Jumu'ah pour parler de ça. Dans le Jumu'ah, il se contentait de faire un rappel de l'au-delà, un rappel sur les enseignements essentiels de l'islam ou un enseignement. C'est ça d'ailleurs l'objectif du prêche du vendredi. C'est pour ça que certaines parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes des compagnons, ont appris sourate Qaf de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il l'a dit dans le Jumu'ah. Comme les compagnons étaient des arabophones parfaits, qu'ils comprenaient le Coran, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de lire sourate Qaf, de ce qu'il y a dedans comme rappel du jour du jugement dernier. Voilà l'objectif du vendredi. Et
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit: les gens vont cesser de délaisser la prière du vendredi, ou sinon Allah va mettre un sceau sur leur cœur, puis ils feront partie des insouciants. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui laisse 3 prières du vendredi par négligence, Allah mettra un sceau sur son cœur. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est permis d'en délaisser 1 ou 2. Le fait de délaisser ne serait-ce qu'une prière du vendredi, c'est un péché. Mais le fait d'en délaisser 3, c'est un péché plus grave, car la personne peut avoir un sceau sur son cœur. D'ailleurs, il y a une parole terrible du savant de cette communauté, celui pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour qu'il connaisse l'interprétation et qu'il le rende versé dans les sciences de la religion. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu an abi, son cousin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: celui qui délaisse 3 vendredis d'affilée, alors il a jeté l'islam derrière son dos. C'est comme s'il avait pris la religion de l'islam, il l'a jeté derrière son dos. Vous imaginez la gravité? Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah, et assistez au prêche du vendredi. Et ne négligez pas et ne cherchez pas des excuses non valable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour délaisser cette prière. Et vous avez entendu la menace et la mise en garde terrible de celui qui néglige et qui délaisse cette prière. Sachez aussi que le jour du vendredi, il y a un moment où les invocations du serviteur sont acceptées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, qui est un hadith véridique: le jour du vendredi est partagé en 12 moments. Il n'y a pas un serviteur musulman qui s'y trouve sans demander à Allah une chose sans qu'Allah ne lui donne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez ce moment dans la dernière heure après l'Asr. C'est pas l'heure comme on connaît nous aujourd'hui, une heure. C'est-à-dire dans le dernier moment, dans les derniers moments après l'Asr. C'est-à-dire une heure et demie, dans les derniers moments ou une demi-heure avant le Maghrib, c'est le meilleur moment pour chercher ce moment-là où la dua est acceptée le jour du vendredi. Sachez aussi, barakallahu fikum, qu'il est recommandé de venir tôt à la mosquée le jour du vendredi. Venir tôt pour faire quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire des prières surérogatoires l'une après l'autre le jour du vendredi. 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, jusqu'à que l'imam vienne s'asseoir. Ou bien, si quelqu'un n'a pas eu le temps de lire Sourate Al-Kahf la nuit du vendredi, c'est-à-dire après le Maghreb, le jeudi, alors il pourra la lire aussi, ou évoquer Allah, ou bien demander la prière et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une chose recommandée en général et encore plus le jour du vendredi. Et le fait de venir tôt à la mosquée, c'est pour s'approcher de l'imam, pour écouter sérieusement son discours. D'ailleurs, pour montrer l'importance que le discours du vendredi a, la personne qui joue avec les pierres, alors il perd la récompense du vendredi. Juste il joue avec le tapis ou les pierres ou son vêtement. Celui qui dit à son compagnon « Tais-toi », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'a pas de Jumu'ah ». C'est-à-dire il perd des récompenses. Il perd la valeur de son vendredi, elle n'est pas complète. Pour montrer l'importance du discours du vendredi. D'ailleurs, l'imam Abu Daoud rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait laver quelqu'un le jour du vendredi et qui se lave lui-même, ou bien plusieurs interprétations pour dire man ghassala, ou bien qu'il fait laver dans le sens où il rapproche sa femme le jour du vendredi, ou bien dans le sens où il exagère dans le ghusl, donc qu'il fasse le ghusl bien comme il faut et qu'il lave ses vêtements bien comme il faut, qu'il soit propre, puis qu'il vient tôt à la mosquée et qu'il y vient en marchant sans monter sur sa monture. Donc si on habite très loin, même on met la voiture plus loin, on marche un petit peu. Et qu'il s'approche de l'imam et qu'il écoute avec attention et qu'il n'est pas distrait, il aura pour chaque pas qu'il aura fait les actes d'une année entière, comme s'il avait jeûné et prié pendant une année, pour chaque pas. Donc imaginez-vous tous les pas, celui qui vient tôt et qui marche
la récompense énorme qu'il a auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Et si cette récompense juste pour venir à la prière, elle est aussi grande, alors imaginez-vous encore la récompense de la prière et de l'écoute du Jumu'ah en lui-même. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, celui qui se lave le jour du vendredi, comme le lavage rituel quand il est en état d'impureté majeure, puis qui va à la mosquée pour la première heure. Comme on vous a dit, ce ne sont pas les heures qu'on connaît ici, 60 minutes, ce sont des moments. Qui va au premier moment, c'est-à-dire au premier moment après Shuruq al-Shams, après que le soleil soit levé, c'est-à-dire en début de matinée. Celui qui vient en début de matinée, c'est comme si il avait sacrifié un chameau. Celui qui vient au deuxième moment, c'est comme s'il avait sacrifié pour Allah une vache. Celui qui vient au troisième moment, c'est comme s'il avait sacrifié un bélier. Celui qui vient à la quatrième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un poulet. Et celui qui vient à la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné en sadaqa un œuf. Et quand l'imam sort et s'assoit sur le mimbar, les anges entrent aussi et participent au Jumu'ah pour écouter le rappel d'Allah. Pour écouter le rappel d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, sachez qu'il y a aussi des sunnahs, des règles de bienséance, des politesses à respecter le jour du Jumu'ah. Premièrement, il n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un discours avant le Jumu'ah, ni même de faire des cercles de rappel ou d'assises. Et d'ailleurs, dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il a interdit de faire des cercles avant le Jumu'ah. Car ce qu'il faut avant le Jumu'ah, ce qui est rapporté, c'est d'adorer Allah, de se préparer pour bien écouter le rappel. Si on fait un discours avant le Jumu'ah, plus le discours du Jumu'ah, déjà les personnes, juste le discours du Jumu'ah, ils n'arrivent pas à se concentrer jusqu'au bout. Alors imaginez-vous, ils écoutent avant, ils écoutent pendant, ils écoutent après. Ils vont se concentrer sur quoi? Ils vont retenir quoi? Ils vont retenir quoi? Pas grand-chose. D'ailleurs, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était relativement court. Certains savants l'ont estimé entre un quart d'heure et 20 minutes. En une langue, bien sûr, en arabe. Nous, c'est vrai, des fois, ça prend une demi-heure, 40 minutes. Mais on a deux langues. C'est comme s'il y avait deux Jumu'ah. Hein? Mais normalement, si on parle en une seule langue, un quart d'heure, 20 minutes, c'est la Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour que les gens retiennent quelque chose. Si le Jumu'ah est beaucoup trop long, la personne détaille un cours pendant une heure et demie, deux heures. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Avec quoi ils vont sortir? De même que le khatib, le prédicateur, le prêcheur du Jumu'ah doit soit choisir un sujet et ne pas partir dans des ramifications à gauche et à droite sans début ni fin, sans logique, sans introduction, sans développement et sans conclusion. Il doit prendre un sujet et le traiter, ne serait-ce que prendre un verset et l'expliquer, un hadith et l'expliquer, prendre un sujet et le traiter, même si ce n'est pas en entier, pour que les gens partent avec un profit. D'où l'importance, barakallahu fikoum, de choisir où on fait le Jumu'ah. Jumu'ah, ce n'est pas juste pour se débarrasser. Des gens, ils vont chez n'importe qui s'asseoir. Ils vont même chez des innovateurs. Des gens qui donnent, transmettent, infiltrent des poisons dans les cœurs des gens. Mais ça ne le dérange pas. Il s'assoit dans son Jumu'ah, mais il ne sait pas qu'il met sa religion en danger. Car peut-être, à force d'écouter 1, 2, 3, 4 poisons, si un seul de ces poisons, il atteint son cœur et qu'il s'égare et il s'éloigne du bon chemin, alors il aura perdu dans l'au-delà. De même, barakallahu fikum, qu'il faut faire attention de ne pas déranger les gens le jour du Jumu'ah. Ni même par la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'élever la voix dans la mosquée, même pour lire le Coran. Même pour lire le Coran. Donc on voit de ça, et les savants ont mis en garde du fait de mettre le Coran à voix haute dans la mosquée ou dans les haut-parleurs le jour du Jumu'ah. C'est une innovation. Ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a expliqué quelle était la sunna. De venir tôt, de faire plusieurs prières surrogatoires. Si quelqu'un lit le Coran à voix haute, les autres ils font quoi? Ils peuvent rien faire. Ils peuvent ni prier, ni évoquer, ni lire, ni invoquer, rien. Ils sont inactifs. Juste ils peuvent écouter. Donc, barakallahu fikum. Même quand on est à la mosquée, on lit le Coran, on n'élève pas trop la voix. De même qu'il n'est pas une condition que le Jumu'ah soit dans un masjid. Le Jumu'ah peut se faire dans n'importe quel endroit. Dans un gymnase, dans un endroit, peu importe. Si c'est un endroit où on réunit à la sahih, à la parole la plus juste des savants, c'est que ce n'est pas obligatoire.
D'ailleurs, le premier Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans une maison. Il ne l'a pas fait dans une mosquée. Naam. De même, barakallahu fikum, il faut faire attention de ne pas gêner les gens avec une mauvaise odeur. D'où, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à tout pubère de se laver, de faire le ghusl, de faire les grandes ablutions le jour du Jumu'ah, de mettre ses meilleurs vêtements, de se parfumer. De se parfumer, bien sûr, pour les hommes. Les femmes ne se parfument pas pour sortir de chez elles. Et de même qu'il ne faut pas, barakallahu fikum, déranger les prieurs en passant par-dessus leurs épaules ou en les poussant ou bien en levant quelqu'un de sa place pour prendre sa place. Tout ceci sont des choses qui ne sont pas parmi les politesses du vendredi ni même de la mosquée. D'ailleurs, il faut faire attention aussi quand on sort ou quand on entre de ne pas passer devant quelqu'un qui fait la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il savait... La personne qui passe devant quelqu'un qui prie, s'il savait le péché qu'il a, il attendrait 40. 40. On ne sait pas s'il a voulu dire 40 ans, 40 mois ou 40 jours. 40. Pour vous imaginer la gravité de cela. Donc si on doit passer devant quelqu'un, premièrement, oui, la personne qui prie, il prend une sutra. Il prend un rempart. Il ne prie pas comme ça sans rien. Il s'approche du mur ou il met quelque chose devant lui. Ou bien, si on passe beaucoup plus loin que l'endroit où il se prosterne, il n'y a pas de mal. Si lui, il est au fond, et nous, on passe pas entre lui et l'endroit où il se prosterne, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, en cela. Et on n'oublie pas, barakallahu fikum, que ce jour-là, le jour du Jumu'ah, comme on a dit tout à l'heure, il y a des adorations à faire le matin du Jumu'ah. Il y a aussi le fait de ne pas oublier de prier et de bénir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tous les jours et surtout le jour du Jumu'ah. Et ça, cela fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Car c'est lui qu'Allah a choisi pour nous transmettre cette religion noble. Alors il mérite sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne l'oublie pas et qu'on l'évoque et qu'on demande à Allah de le louer et de prier sur lui. Non pas comme certains qui se suffisent de faire une innovation une fois par an. Ils font l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute l'année ils l'oublient. Ni ils obéissent à ses ordres, ni ils suivent sa sunna, ni ils demandent à Allah de le bénir, rien, toute l'année. Mais quand il vient le moment de son anniversaire, il chante, il danse et il est content. Il croit que c'est comme ça qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Akhil Karim. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui obéir, c'est lui ressembler, c'est le suivre, c'est ne pas l'oublier, c'est invoquer Allah pour lui, car il a un grand droit sur nous, alayhi salatu wa sallam. Fabarakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما.